Bravo Pierre-Emmanuel. Oh, moi, il y a tant de choses que j'admire dans la vie. La haute couture, la créativité en général, ou un homme dévoué et généreux. Mais je l'admire de loin, car ce genre d'homme est souvent pauvre. Je ne pourrais pas construire ma vie avec Abbé Pierre ou Gandhi. Ils sont fauchés. La preuve, ils sont si maigres. Il existe si peu de choses admirables de nos jours qu'on se tourne naturellement vers la nature. Ce qui explique le succès des candidats dans l'amour et dans le prêt. Cette émission qui célèbre la beauté des hommes ruraux et dentés. Sans Audrey Hepburn et Grace Kelly, le monde me semble dépourvu d'inspiration. Pourrais-je admirer mes collègues? Certes, Maître Daniel m'épate avec sa capacité à survivre de la canicule. Et Pierre-Emmanuel Barré m'impressionne car il arrive à supporter l'insupportable lui-même. Sans personnalité admirable, de qui me nourrirais-je? C'est pour cela que j'ai décidé depuis l'âge de 15 ans d'admirer que moi-même. Je me parle à la troisième personne en m'appelant Votre Majesté. Cela implique une exigence militaire envers soi pour incarner sa propre reine. Ensuite, il faut commencer à constituer son propre royaume. Je filtre les sujets désobéissants et infidèles. Désormais, il me reste Momo le concierge. Au travail, n'avons-nous pas tous un modèle admiré? Jamais j'aurais pu écrire de telles chroniques brillantes s'il n'avait pas eu les fameuses manifestes de l'écrivain Nabila intitulées « Allô, allô ». Dans ce milieu d'humoristes femmes, j'admire la trajectoire de Valérie Lemercier qui a rendu le rire chic. D'autres consoeurs sont fascinées en revanche par l'image accessible d'Anne Romanoff. Avez-vous vu sa publicité pour les fournitures scolaires ou sa voix répétant la marque et mixée par un DJ de salle des fêtes polyvalente? Plein ciel, plein, 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 plein ciel, plein ciel, plein, plein, plein ciel. Oh, je ne juge pas, non. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a bien des sandwichs au surimi et des préservatifs Good Cheeseburger. De toute façon, on peut aimer sans admirer. Regardez Valérie, la première dame de France. Après 40 ans de vie commune, j'aime mon mari non pas avec admiration, mais pitié. Il m'émeut lorsque le bout de légume, avant d'atteindre sa bouche, tombe de la fourchette. Oh, c'est émouvant. À mon tour, je l'émeut chaque matin lorsqu'il me voit devant le miroir en train de faire un chignon afin de tirer au maximum la peau du visage. Devant de telles scènes quotidiennes, je comprends enfin pourquoi nous admirons la vie, bien souvent en levant la tête au ciel. Sonny Chan!